Ça, t'es pas trop sur les bras avec ça. Ça s'appelle de l'ironie. Putain, mon CV il démarre mieux, hein, je veux pas dire, mais. Bon, allez. Hey, arrive plus fort encore, papy. Là. Putain. Donc une petite ligne d'Elgevitch là-dessus, ça te dirait pas, non? Tranquille, ça va tout seul. Alors, attention. Allez, hop, gaz. J'imagine que toi, t'as pas besoin de te poser la question si ça passe ou pas. Ah, j'entends ton aspirateur derrière. Eh ouais, non, je réfléchissais à un truc, là, quand tu m'avais parlé, là, dans les Vosges, la moyenne en moto, là, tu me disais que c'était à peu près 69-70 de moyenne. Ah, faut la tenir, hein, les 70 de moyenne. Je pense que déjà, un bon 50 de moyenne, c'est bien. Alors franchement, je te jure, il y a des endroits où on était à 50, 60, on s'est dit putain, là on est bien. Trop vite. Mais gros, j'ai un CB500, bien sûr que je vais trop vite, qu'est-ce que tu veux. Mais je pense que l'année prochaine, je vais y aller au culot, je vais y me prendre un peu en avant, je vais essayer d'aller voir des concessionnaires en mode. T'as pas un petit truc à prêter là? Je te fais le rodage, j'ai 5000 premiers kilomètres et puis voilà. Allez, vas-y, monte-moi comme ça, Xoli. Ah ouais, c'est vraiment discret, hein, putain. C'est discret de ouf. Dieu. Ouais, t'as encore le compteur, le compte tour à l'ancienne, quoi. Et c'est encore un truc LCD, le compteur? Ah ouais, c'est LCD, putain, sur le mur. Ah, je trouve maintenant, en 2019, un compteur LCD, ça fait cheap. Hein. Et c'est ce que je disais à Juju, c'est pour aller à fond et vraiment sentir, aller au bout de la machine là, faut être cinglé, quoi. Là, tu vas faire des cols, ouais, bah tu vas rester en première, deuxième, à la limite, si tu veux pas trop que ça gueule, mais... C'est un peu le problème avec des machines aussi puissantes, tu vois. Ou alors, faut risquer le permis. Et la vie aussi. Je pense surtout la vie d'abord. Après, comme dit, le gros avantage, par contre, avec des trucs comme ça, c'est que, j'imagine, t'as l'anti-wheeling, t'as des trucs comme ça, enfin... Voilà, c'est ça. Parce que, à mon avis, avec l'ancien, les premiers LX10, là, des trucs comme ça, où tu mets tes poignets dans l'angle en sortie d'épingle... T'as intérêt à prévoir des caleçons propres sous la selle parce que ça devait te faire bizarre. Hein. Ouais, c'est le chiffre. T'as le chiffre d'angle dessus aussi, du coup. Ouais, bah c'est ça. Ah ouais. Ah, moi aussi, mais faut que je fasse ça. C'est un chiffre d'angle manuel. Hein? Ah, bah ça, ouais. Tu m'étonnes. Ah, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. On me cache un sourire, on me cache quelque chose que je peux bien faire depuis. Ah, Dieu. Et les 23 derniers kilomètres se font. On va taper dans le top 20 bornes. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on a fait souvent. Enfin, personnellement, que j'ai fait souvent. Sur les grandes étapes, ouais, tu fais ton petit... Bon, allez. Top 100 bornes, il reste 100 bornes. Allez, et après tu fais top 75, top 50. Enfin, le soir, t'es content d'arriver. Quand tu te fais ton petit truc en mode bon, bah, allez, il reste 15 bornes. Tu t'arrêtes une dernière fois pour trouver une station essence et puis un endroit pour acheter manger. Ah, c'est vrai que c'était sympa. T'étais content d'arriver, quoi. Tiens, maintenant on va profiter, on va faire encore un peu de blabla, c'est le dernier épisode. Bon, en plus c'est la Lorraine, c'est les routes que vous avez sûrement déjà vues, mais... Je pense qu'après, là, je vais encore faire un grand épisode, essayer de peut-être faire un petit film, compiler pas mal de choses pour faire un épisode un peu plus long pour tout reboucler, quoi. Et voilà. Si vous avez des questions à propos de ce road trip, mettez-les en commentaire de cette vidéo. Et moi, ça me ferait plaisir de répondre à toutes vos questions, s'il y en a que ça intéresse, à propos des trajets, des hébergements, de comment on s'est démerdé, des trucs comme ça, enfin tout ce qui vous passe à l'esprit, n'hésitez pas. Et ouais, ça me ferait kiffer de faire une petite vidéo où je réponds à vos questions. Ça serait franchement sympa. Donc voilà. Ah, seul regret, c'est ouais, de pas avoir rencontré plus d'abonnés, parce que je sais que j'en ai pas mal qui sont un peu éparpillés dans toute la France.
Et après, comme dit, on n'avait pas trop le temps non plus de faire de détours, parce que comme vous avez vu, on faisait 500 bornes, bon pas 500, mais on a fait des fois, on faisait facilement plus de 400 bornes par moment. Donc ouais, on n'avait pas trop le temps de s'arrêter à gauche, à droite, plus après, tu vois, c'était un peu compliqué. Donc, mais ouais, le temps de s'arrêter, le temps d'être... Attends, parce que je me gratte l'œil. Mais ouais, c'est vrai que de s'arrêter, le temps de prendre une petite cigarette, discuter, boire un petit café, un petit verre, ça peut être sympa. Ça, c'est le seul truc que je regrette, de ne pas avoir rencontré plus d'abonnés. En plus, j'avais emmené des trucs d'affi et tout, j'avais emmené des tours de cou, des porte-clés et tout, enfin... Tant pis pour vous. Mais ouais, non, franchement, c'était un des seuls petits regrets. Après, pour que ça soit encore mieux, ça aurait été de le faire encore en plus longtemps. Parce que là, bah, comme dit, tu fais 300, 350 bornes. Déjà, quand tu fais 350 bornes, t'es content d'arriver le soir. Et comme dit, il y a des journées, on passait 10 heures sur la moto. Bon, pause comprise, mais tu passais 10 heures faire de la moto, quoi. Attends, faut que j'achoube. Putain. Ah bah là, il y en a partout dans le casque, maintenant. Mais ouais, c'est vrai que ça aurait été plus sympa de réduire encore plus et de faire 200 bornes, des fois même moins, ça aurait été encore top. Mais bon, après, là, c'était bien. Pour une première fois, c'est plutôt bien démerdé. Donc, voilà. Moi, j'espère que ce petit Tour de France, ça vous aura plu. Vous avez sûrement reconnu des petits coins de chez vous, des trucs comme ça. J'imagine que dans les vidéos précédentes, vous aurez mis les petits commentaires en mode « Eh, c'est chez moi, ça, je connais. Eh, c'est beau, t'aurais dû passer par là. » Alors oui, alors pareil, le « t'aurais dû passer par là », franchement, si on avait pu, c'est ce que je disais, si on avait eu plus de temps, on serait passé par là. Si on avait eu plus de temps, oui, on serait passé par là, ou fait vraiment des trucs extrêmes, mais enfin extrêmement beaux. Mais il faut savoir en garder un petit peu quand même sous le bras les prochaines fois où je referai peut-être plus des tours de région plus détaillés. Se dire, bon bah maintenant on va faire, j'ai une connerie, mais les Alpes j'ai kiffé. Les Alpes j'ai kiffé, le Tarn j'ai kiffé, enfin franchement c'est des vues de ouf. Et franchement stylé. Donc ouais, ce serait peut-être plus pratique les prochaines fois. Et puis voilà, faudrait que j'aille toquer à la porte de chez DJI pour choper un drone là, parce que là, oh, la plus-value des vidéos avec un drone, c'est dingue. Donc ouais, DJI, si vous passez par là, viens, on est bien. Donc, mais non, ouais, franchement, ça aurait été un gros kiff. Alors, on va se rapprocher tout doucement de Falsbourg et dans les 80, et puis Saverne, on y sera déjà. Donc voilà. Il reste quoi, 18 bornes, ouais, c'est ça, 18 km. Le temps de descendre le col de Saverne, je crois qu'il y a 4-5 bornes. On a encore 8 km à faire, donc voilà. Je vais reprendre un peu plus tard, j'ai encore deux photos à faire importantes. Et vous verrez, je vous prendrai. Mais tu vois de quelles photos je parle, tu vas kiffer, tu les auras vues sur Insta. Alors attention, faut bientôt que je m'arrête pour faire la photo.
téléphone quoi. Ah, jusqu'au dernier virage, il y en a un qui va te faire chier. Incroyable. Ah, le téléphone. Sans déconner. Posez vos téléphones. Vous avez des voitures, vous avez le tour radio, vous avez le Bluetooth dedans. Posez vos téléphones, c'est un truc de ouf. Tu t'arrêtes sur le côté, tu mets ton GPS, t'écris ton SMS, on s'en branle, mais pose ton téléphone quand tu roules, regarde ce qu'elle fait. Elle n'avait pas klaxonné, je me serais encore payé une bagnole à 800 mètres d'arrivée, quoi. Incroyable. Bon, allez, j'espère que ce road trip, ça vous aura plu. Et je vous fais à tous des putains de gros V bien massifs des familles.